Oh, oh, oh. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo d'un format un petit peu plus long que d'habitude. Je vous avais promis des let's play, des gameplay, et non pas des gameplay musicaux comme vous pouvez voir beaucoup sur YouTube, mais des gameplay où je parle, où vous m'entendez, où je réagis en temps en direct, en vrai et tout. Et je vous avais promis d'en faire quelques-uns de temps en temps, et je vous propose un nouvel épisode de let's play. Je vous ai fait un premier let's play qui était basé sur le Canyon Clash. Vous avez été particulièrement réceptif d'ailleurs, hein. Vous avez plutôt apprécié le Canyon Clash, les chiffres montrent bien que vous avez apprécié. Et du coup, ben, je vous propose une fonderie cette fois, de découvrir tout simplement une fonderie en direct avec moi. Voyez, regardez, on est à 170 secondes du début de la fonderie. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous participer. Alors, je vais être honnête avec vous, attendez pas à avoir de la stratégie, de l'organisation ou n'importe quoi d'autre. C'est pas du tout le cas de la maison. Je vous le dis clairement. On est, voilà. Vous allez voir juste que je fais un peu tout et n'importe quoi. Je m'amuse plus qu'autre chose dans cette fonderie. Donc, c'est pas un truc organisé. Alors, les conseils disant « Ouais, t'aurais dû faire ça, ça, je vous le dis, ça sert pas à grand-chose de me les donner. » Dans le sens, moi, la fonderie, c'est plus un moyen de décompresser, un moyen de balancer un peu tout et n'importe quoi. En général, je joue 10 minutes, je me soigne pendant 12 et je reviens pendant, pour les 8 minutes récentes. Voilà. L'idée, c'est ça, voilà. Mais honnêtement, c'est plus une façon de me défouler un petit peu la fonderie plus qu'autre chose. Et donc, je vous propose un petit let's play de la fonderie pour cette vidéo. Alors, elle va durer, je ne sais pas combien de temps, mais elle devrait durer. Et puis voilà, hein. Mais comme je vous avais promis qu'on ferait quelques let's play de temps en temps, je vous en propose donc un. Alors. Voilà, vous voyez, vous découvrez les choses, hein. Voilà, mon prochain ours, c'est demain. Voilà, ça vous donne l'idée de la date à laquelle on est. mais voilà, le prochain ours aura lieu le 9-9 à 17h UTC, voilà. Et nous sommes pas le 9-9, il n'est pas 17h UTC, il est même 19h UTC d'ailleurs. Bientôt. Puisque l'ours a lieu dans 60 secondes. Pas l'ours, la bataille de fonderie, pardon. Voilà, si je commence à mélanger, on n'a pas fini, les gars. On va faire une fonderie. Alors, je vais être honnête, hein, vous attendez pas. Comme je vous ai dit, vous attendez vraiment pas à des miracles. Parce que moi, l'organisation, ça fait deux. Donc, moi, je joue vraiment pour jouer. Hein. J'ai pas de spécificité à proposer. Allez, il reste 30 secondes. On va activer les buffs animaux, même si je suis pas sur marche, mais je m'en fous, je les active. Ils se réactiveront tout seuls demain. Voilà, on booste les chiffres, évidemment. Et on va voir ce que ça donne. Ça va swinguer, moi, je te le dis. Allez, c'est parti! Eh ben allez, on y va. Oh, oh là 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 là. Et ça arrive en masse là. Oh là là. Oh là 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 là. Eh, il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Il y a du monde. Eh ben voilà. Oh là là. Eh ben on est nombreux, dis donc, ce soir. J'aime bien aller voir de l'autre côté. Voir ce qu'on a en face. Je crois qu'il ne montre plus, hein. Si, il montre. 273, 204, 184, 273, 172. Bon, il y a du lourd en face quand même, hein. Il y a du lourd, lourd, moi, je vous le dis. J'espère que c'est de la puissance vide. Dédicace à Lily, d'ailleurs, hein, si elle regarde cette vidéo, hein. Quand elle va voir que j'ai enregistré, elle va dire « Oh, putain, t'as pas fait ça, vieux !» Ah bah si. Moi, je prends celui-là. Non, ouais, je vais prendre celui-là, moi. Ou celui du bas, peut-être. Ouais, celui-là, il est bien. Vas-y, je vais prendre le complexe de réparation.
On est 20. Ils sont 13. Attention. 8 minutes 25. Vous voulez pas qu'on mette une musique un peu plus rock? Après tout, c'est quand même un truc dingue, non? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Rock. Vous êtes prêts? Allez. Voilà. Allez. Misons sur notre nombre plus élevé. Ouais, enfin, je suis pas convaincu de l'idée quand même à la base. Cher Lily. Mais si tu veux. Alors, je suis à 236 millions de puissance. Vous verrez que dans un quart d'heure, il n'y aura plus rien. C'est. Enfin, avant la fin de cette vidéo, je serai sorti au moins une fois. On aura attendu au moins une fois. Oh, il y a Penny. Il y a Penny! Penny qui est dans la place! Penny, c'est notre top 1 pour info. C'est notre baleine. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est notre baleine, Penny. Donc, allez. Cinq, quatre, trois, deux, un, c'est parti. Here we go. Oh putain. Et moi je me prends le FC7 dans la gueule direct. Ah Lily. Ah Lily, elle est venue m'aider. Lily, elle est venue m'aider. Sasu aussi. Oh salopard, déjà. On fout, on y retourne. Comment il a viré vite? Ah, comment il s'est barré aussi vite qu'il est arrivé? Ah, il attache aussi vite qu'il est arrivé, dis donc. Ah, excellent. Oh, putain. Ah, il est parti aussi vite qu'il est arrivé, hein. Penny doit faire les ouvertures en fait. Oh le vilain garçon. Moi aussi je peux attaquer, t'es pas tout seul mon ami. Regarde, moi aussi je peux le faire. T'es pas tout seul? Ah, lui, il est un peu plus fort déjà. Ouh. Il m'a défoncé. Oh là là. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein. Vas-y, j'attaque. Même si je sais qu'il est plus fort que moi, hein, honnêtement. Vous avez vu, je suis un dingue, hein, j'y vais à l'arrache, hein, moi je m'en bats les couilles, hein, j'ai rien à perdre, hein, alors là... Je suis là pour défendre, je défends. Hein.
Oh, oh merde, ah c'est pas le même niveau là. Attends. Attends, attends, attends. Voilà. C'est bien de perdre en puissance, mais quand même, à un moment donné, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. J'ai combien de blessés là? Oh putain, 300 000 blessés. Oh la vache. Il y a combien de temps de soins? 5 jours. Ah, ça va piquer, hein. Ça va piquer. Y'a qui là? 287. Non, on va pas prendre lui. 158. 370. Non! Clairement pas. 324. Oh là là. Eh, c'est que des monstres. C'est que des monstres. C'est que des monstres. Et là, c'est qui là? Là, je suis là, moi. Deux! Il m'en prend deux! Oh, le saleté. Allez, je m'en fous, j'y vais. Je balance sur les deux, moi. Je suis un dingue! Je suis un fou, moi, je suis un fou. Ils arrivent à vitesse grand V, les gars, c'est un truc de ouf. On accélère un peu quand même. Allez, mon petit. Je suis à 48 000. Ah bah oui. Squat. Et alors il les squatte bien, moi je vous le dis. Vas-y, j'envoie. J'en envoie partout. Je suis un fou, moi. Je suis un fou. Tu es un dingue. Oh, ça fait mal aux fesses, ça. 5 millions de puissance en moins. Il a dû piquer celui-là. Regarde un peu. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, bon, ça va, honnêtement, ça va. Bah, enfin, si, elle m'a mis quand même 4 millions dans la gueule. Oh, putain, ça va, ça va. Et là? Non, c'est fait défoncer. C'est fait littéralement défoncer. Wouhou! Mmh.
parler. Vous voyez, aucune organisation, hein, aucune, hein, absolument aucune. C'est, on est à la limite du gros n'importe quoi. Promets. Hop là, j'envoie des troupes partout, moi, je suis un fou. Le truc, il met 20 ans à arriver, mais c'est pas grave. Ah, ça y est, il est arrivé dans la chaudrée. Ça, c'est bien. Je veux pas dépenser parce que déjà de trop. J'ai 3 millions 5 de soldats, vous inquiétez pas. Tu m'étonnes qu'elle a pas besoin d'aide. Tu m'étonnes qu'elle a pas besoin d'aide. Moi j'ai déjà quasiment la moitié de mes soldats en placard là. Ouh, ça pique. Ça pique, ça pique. Eh, moi aussi, je peux, hein, regarde. T'es pas le seul, hein. Bah, vas-y, attaque-moi, hein. Ah ouais, quand même. Regarde, je vais te montrer une petite astuce. J'ai trouvé une astuce pour faire gagner du temps et perdre du temps à l'autre. Quand il m'attaque, il fait brûler ma barricade, c'est vrai. Mais la barricade, en fait, t'es téléporté que si ta barricade tombe à zéro, on est d'accord. Mais si tu l'éteins tout de suite. T'as pas de raison de te faire téléporter. Moi aussi, je peux attaquer. T'as vu, t'es pas tout seul, hein. Tu vois, regarde, là, il va attaquer ma barricade. Il va encore enlever un peu de points. Il suffira de l'éteindre, en fait, tout bêtement. Hop là. On a pour un petit moment, mon vieux. Moi, je te le dis, t'en as pour un petit moment avant de me faire brûler. Maintenant que j'ai compris comment ça marche, t'en as pour un moment, hein. Alors là, t'as pas fini, mon pauvre, hein. Regardez, vous voyez, c'est parce que la barricade brûle, c'est pour ça qu'on est TP en fait. Mais tant que la barricade elle brûle pas, tu peux bien attaquer autant de fois que tu veux. Regarde. Hop là. Tu peux me brûler bien, tu peux bien brûler autant de fois que tu veux, sauf que moi je vais aller voir ailleurs, mon ami.
Il m'a suivi. Il m'a suivi. Oh, c'est trop fort, il m'a suivi. Il m'a suivi. C'est excellent, il m'a suivi. Jusque là, juste prétexte que j'ai attaqué. Hop là. Cherche pas mon gars, j'ai trouvé le moyen de ralentir ma barricade, alors t'es pas prêt de me faire dépoter, hein, je te le dis moi. À part un manque de soldats, peut-être. Surtout qu'il y en a déjà plus de la moitié qui sont partis. Ça va piquer, hein. Il est obstiné à Mystica. Il est obstiné le Mystica, je sais pas qui c'est, mais il est obstiné. Je crois que je me suis attiré les foutres d'un 200. D'un mec à 200 millions. J'ai plus de troupes, ça y est, j'arrive au bout. J'arrive au bout, j'ai plus de troupes là, je suis KO là, c'est bon. Alors là, mon gars, tu vas y passer un petit moment avant de réussir à me détruire. Hein. Je te le dis, moi, t'as pas fini, alors là... Il revient ou pas? Ah oui, il revient. Et il est obstiné, hein? Il est obstiné, le petit, quand même, là. Il est têtu, dis donc. Mais tu peux y aller, mon gars, alors là. Tu peux y aller, hein? Je peux tenir un petit moment, hein? Tu vas fatiguer avant moi, je te le dis, hein? Il va remettre ça ou pas? Mon vieux, si tu savais. Il remet ça. Eh mais j'hallucine, mais... Eh mais c'est quoi ce mec? C'est quoi cette obstination insensée? C'est hallucinant. Mon gars, tant que ma barricade elle saute pas, tu peux y aller, hein. Alors là... Tant que ma barricade elle saute pas, tu me feras pas sortir, je te le garantis, moi. Ah, ça y est, il a changé. Il a décidé d'aller voir quelqu'un d'autre. Il en avait marre de voir ma gueule. Il en avait marre de voir ma tronche. Il a décidé d'attaquer quelqu'un d'autre. Il m'a attaqué quoi? Il m'a attaqué une bonne dizaine de fois, je crois. Ah oui, je crois, une bonne dizaine de fois. Il remet ça. Il est têtu, hein. Il est obstiné, hein. C'est hallucinant. Hein. Mais alors, mon gars, tant que ma barricade, elle saute pas, ça me téléportera pas, ça me sortira pas, donc tu peux y aller. Hein. Tu peux attaquer autant de fois que tu veux, je m'en bats les cacahuètes. Alors là...
Vas-y, attaque autant de fois que tu veux, mon gars. Tant que ma barricade, elle tombe pas, je bougerai pas d'un poil. Il est têtu, hein. Il est obstiné, hein. C'est hallucinant. Moi aussi, je peux, regarde. Hop là. JTU. T'as vu, moi aussi, je peux espionner mon pote. Hein. T'es pas tout seul, hein. Ah mon gars, tu feras pas tomber ma barricade comme ça là, je te le dis moi. Il est dans quel univers lui d'ailleurs? Dans le 322. Il y a qui dans le 322? Ça se trouve c'est quelqu'un que je connais en fait. C'est pour ça qu'il s'obstine contre moi. Ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais, en plus. Si ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais, en fait. Alors, voyez, là, la petite barre, c'est nouveau, ça. Allez, regarde. Hop là. Il est obstiné, hein, c'est hallucinant. Et moi, tu me feras pas tomber, je suis résistant. Il y a combien là pour soigner 1,7 million de troupes? 27 jours de soins. Et le pack, tu peux soigner 40 heures. 2 jours. Il faudrait 27 jours pour soigner les 1,7 million de troupes. Oh la vache. Sasumu, il va bientôt partir là. C'est une petite fan que j'ai trouvée, je trouve ça bien. Oh. Ah. Il a appelé du renfort, on dirait. Il a appelé du renfort. Il reste plus grand chose en troupe, hein, je te cache pas. Et je suis tout seul. Ah, ça y est, il remet ça. Ah bah alors vas-y, hein, éclate-toi si ça peut t'amuser, mon pote. Voilà, je peux encore tenir un petit peu. Hop là. Il est vert. Ils sont verts parce que depuis tout à l'heure, il essaye. Mais il n'y arrive pas. Et personne me brûlera. Vous pourrez essayer autant que vous voulez. Là, ils doivent se dire, mais il est pas croyable ce mec, il a que 80 millions de puissance. Il encaisse. Ouais, parce que j'ai trouvé la technique. Alors attends, on va pas lui faciliter la vie quand même. Il
Il est parti? Il est parti. Ça y est, il m'a lâché enfin. Putain, depuis tout à l'heure, il s'acharnait sur moi. Oh putain. Hey, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, le mec, il m'en veut en fait. Il m'en veut. Oh putain. Mais j'ai dû le rendre fou à mon avis. Je pense que j'ai dû le rendre complètement dingue. Parce que à essayer de vouloir m'attaquer comme ça, c'est pas possible quoi. J'ai plus de troupes. Hein. Les dernières troupes qui me restent sont dans la base principale. J'ai personne d'autre. J'ai plus aucune troupe là. Si je me fais mettre à zéro, c'est terminé pour moi. Je suis mort. Il y a des bugs, hein, il y a des bugs dans le... Ouais, il y a des gros gros bugs. Hein. Ouais, effectivement. Hein. J'ai envie de niquer tous mes soins. J'en ai besoin encore, hein. J'ai quoi? Oh, j'ai 15 jours de soins, je vais pas les défoncer. Il y a déjà l'équipe précédente qui est bloquée, les gars. Ça va, 150 000 points, c'est pas mal, hein. Le 353. Alors attends. Qui c'est qui m'a notifié là? Ah là là. C'est énorme, c'est énorme. J'ai résisté 200 millions de puissance, mec. C'est très drôle, ça. Allez, hop. Je peux envoyer des troupes nulle part d'autre, étant donné que j'en ai plus. Hein? Mais ça me fait chier parce que si je quitte là, on va taper 12 minutes à attendre. J'ai pas envie d'attendre 12 minutes. Vous dites donc que je suis encore là, autant continuer quoi. Allez. On est en train de gagner cette fonderie quand même, hein, jeu de. À tout hasard, je vous le dis. Enfin, ça se voit, je crois, mais on est en train de gagner cette fonderie pour l'instant. Donc, ils sont très forts, mais pour l'instant, ils sont pas très organisés non plus, visiblement. C'est trop beau. C'est magnifique, en tout cas, je me suis bien amusé. Moi, c'était drôle, hein, moi, je vous le dis. Voir un mec à 230 millions me frapper dessus, mais encore, encore et encore, et puis que je bouge pas d'un fait. C'est très amusant.
Oh putain. Les boucliers ne marchent pas dans la fonderie. Non, j'en ai déconné. Reste quoi là dans le. Reste quoi en troupe là? Je suis à combien? 96 000. J'ai bientôt plus de troupes. Je suis bientôt à sec. Je crois que c'est la fonderie impériale qui aura raison de moi au bout d'un moment parce que j'en aurai plus. Allez hop. J'ai encore de perdre 2 millions. À chaque attaque de la fonderie impériale, je perds 2 millions de puissance. Oh putain. Allez, 11 000 là. 10 000. 9000, il reste plus grand chose à éliminer en même temps. À un moment donné, de toute façon, il n'y en aura plus. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà, je vais soigner 1500 troupes. Soyons fous. Je les envoie. Voilà, j'ai envoyé 1500 troupes de plus. Je peux pas faire grand chose de plus, j'en ai plus. J'ai plus de troupes. Mes dernières 80 000 troupes sont là, je peux pas faire mieux là, je suis... indubitablement bloqué. Ou alors j'attends les 22 à 22 minutes, je sors. Comme ça, je reviens à plus haut, sur les 10 dernières minutes à pleine puissance dans la fonderie impériale. Ça peut être fun. Oh, voilà, attention, ça va piquer là. Ça vient de tous les côtés maintenant. À un moment donné, j'aurai plus de troupes. Hein. À un moment donné, je vais me refiner. Je vais terminer à zéro. Envoyer personne, si j'en ai encore. Non, c'est bien ce qui me semblait, hein. J'en ai plus. J'ai plus de troupes. C'est la dèche. Dèche. Je reste dans la fonderie parce que ça me fait gagner des points. Hein. Faut bien être honnête. Hein. Mais je sers plus à grand chose là. Hein. On va quitter, on va ressortir, on va rentrer, on va rentrer, on va revenir dans 10 minutes. Allez, on quitte. On va revenir dans 12 minutes comme ça. Voilà. On va attendre 12 minutes. On va attendre 12 minutes. Je peux pas dire le mot. Je peux pas dire le mot.
On va mettre. Et il a. Espace. Voilà. Et on va attendre 12 minutes, on verra bien. Ça marche pas, je sais pas. D'accord. Okay. Donc quand t'appuies sur espace, ça m'ouvre les paramètres du ciel. C'est n'importe quoi. Je passe le temps, hein. Je suis désolé, je passe le temps. Ça me permet de, bah, de passer le temps, justement. Hein, voilà. Je passe le temps. Je voulais vous couper et puis en fait comme je coupe jamais ça marche pas. Donc on attend. Faut bien passer le temps après tout. Non? Vous voyez pas? Nathan, c'est pas grave. On y croit, hein, moins de 10 minutes, c'est bon. Pour l'instant, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, comme dirait l'autre. Hein. C'est pas mal, hein, comme dirait Padgé. Il m'a quand même... J'arrive pas quand même à croire que l'autre, qu'il est quand même venu sur moi, qu'il m'a défoncé encore. Et puis j'ai pas bougé un centigrade. Ah, oh, il a dû être vert, il s'est dit, mais c'est pas possible, il y a quoi comme défense? Ah là là, et franchement, qui que tu sois, si t'as regardé cette vidéo, merci de ce passage. Merci. Alors oui... Je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. Mais mec, il suffit que tu éteignes le feu. Tant que ta barricade, elle tient, tu bougeras pas. Peu importe la puissance qu'il a en face. Oui, je sais. Mais moi, je trouve ça fun. Je me réjouis des choses simples de la vie. Voilà. C'est qu'est-ce que vous voulez. Je me réjouis des choses simples de la vie. Voilà. Et j'aime bien me réjouir des choses simples de la vie. Je vois que Mystique il s'est acharné sur d'autres en fait. C'est bien. Il s'est pas acharné que sur moi. Par contre, il a des bonnes stats, hein. Franchement. Mais aller vouloir s'attaquer à Marianne, c'est quand même pas prudent, hein, moi je te le dis. Il a bien encaissé, hein, le petit là quand même. Il a bien encaissé malgré qu'il y a des P en face, hein. Il a très très bien encaissé, je trouve, hein. Ah ouais, non, il a bien encaissé Simba. Hein. On attend, il reste 7 minutes. Allez, on y croit. Je crois que mon chat, ma box, ça a bougé, ça, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Voilà, je le recentre. Je comprends pas pourquoi il bouge ce truc. Je comprends pas. Pas censé bouger ce truc à la base. Qu'est-ce que je pourrais vous dire?
Vous avez d'autres idées que vous voulez en vidéo, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Ça peut être fun parce que moi j'essaie de faire des vidéos qui vous plaisent. C'est le principe. Vous pouvez me demander du gameplay, je vous donne du gameplay. Vous en aurez pas des masses parce qu'il faut bien être honnête que les masses, enfin c'est le gameplay, c'est pas le genre de vidéo que je fais souvent dans le sens où j'ai pas grand chose à vous apprendre. C'est plus moi qui joue, vous regardez et vous me voyez me faire déglinguer la tronche hein, à la base. On est quand même sur cette base-là. mais après, c'est vrai que le gameplay, c'est pas forcément la chose que je fais le plus. Maintenant, voilà, je vous en avais promis, je vous en donne. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous appréciez. Ah oui, le rythme des vidéos pourrait peut-être bien changer parce que il s'avère que, ben, vous savez, maintenant que j'ai fait le tour de pas mal de vidéos, j'essaie de vous proposer des contenus instructifs, c'est-à-dire que des choses sur lesquelles vous pouvez apprendre des choses. L'idée, c'est ça. Je vous présente des events, les machins, mais je vous donne aussi des infos, des astuces, etc. Et du coup, c'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à faire, il faut bien être honnête. Et l'idée m'était venue de me dire que je pourrais vous sortir les vidéos au fur et à mesure que je les fais. Alors, soit vous pouvez en avoir deux dans la semaine, soit trois. Mais peut-être que le rythme de tous les quatre jours, c'est pas forcément une énergie. Alors, après, si vous préférez le rythme des 4 jours, je garde le rythme des 4 jours. Hein. Parce que le rythme des 2 jours, c'est pas possible à tenir, je vous le dis clairement. Le rythme des 4, pour l'instant, ça va. Si je fais un peu de gameplay et que je vous propose des contenus interactifs comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, il y a moyen de continuer. Ou alors, je peux tout simplement ne pas vous donner de jour et puis ça sort comme ça de temps en temps. Alors, je vous garantis juste une chose, c'est une vidéo régulière. C'est-à-dire au moins une vidéo, il y aura moins de 7 jours entre chaque vidéo. Ok, ça c'est un engagement que je prends, moins de 7 jours entre chaque vidéo, quoi qu'il arrive. Parce que je pars du principe que s'il n'y a pas de régularité, c'est pas bien. Et c'est important de garder une certaine régularité dans le truc. Donc, il y aura au moins une vidéo par semaine minimum, voire deux. Au moins dans la semaine, ça c'est sûr. Je vais essayer de maintenir ce rythme à tout prix. Je veux à tout prix que ça fonctionne, ce rythme. Mais si vous avez des idées de vidéos, franchement, je suis preneur. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Ouais, les vidéos sur les gènes, c'est quand que tu les sors, les points faibles, les points forts. » Les vidéos gènes, j'attends que Shiba continue le tableau que j'ai créé pour mettre ses avis dedans, puisque c'est principalement fait grâce à elle. Donc, tant que Shiba ne remplit pas les tableaux, ne marque pas ce qu'il en est, ça va être difficile de vous proposer un contenu sur ces vidéos, sur les gènes. Là, on est à la gène 1, j'attends la gène 2, mais c'est à Shiba et Shiba seul de décider quand est-ce qu'elle veut, elle veut écrire dans ce tableau. C'est pas à moi de vous proposer ça, c'est pas mon boulot. Enfin, c'est pas mon boulot. Moi, c'est pas moi qui va vous l'expliquer. Moi, les héros, je les connais pas, donc c'est pas moi qui va vous dire ça. Mais en tout cas, j'espère qu'on arrivera à quelque chose. Il reste 3 minutes. 3 minutes avant de rejoindre à nouveau le... Alors, à nouveau avant de rejoindre l'enfer. Ou alors, vous savez, je me planque et je reste en abri comme ça. Puis je vais dans ma chair royale. Je me planque dans le haut de la map et tout. Et puis je vais dans le truc royal comme ça. Quand il y a un truc qui va pas, j'envoie des soldats. Ça peut être drôle, ça. Les gars, ils vont chercher d'où ça vient. En même temps, ils auront qu'à suivre le trait. Hein. C'est pas dur. Allez, 3 minutes. Il reste 3 minutes. Vous voyez, j'ai vraiment... Vous voyez, je voulais mettre pause la vidéo. Ça n'a pas marché. Du coup, je me suis dit, allez, on continue. Ça continue encore et encore. Non mais voilà, en tout cas, si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez des choses particulières en vidéo, moi je suis preneur. Pour les lives, vous avez été aussi quelques-uns à me demander plus de lives. Alors je vais être honnête avec vous, les lives c'est surtout quand je peux, quand j'ai le temps et que je suis pas trop fatigué le soir après le boulot. Mais c'est pareil, je vais pas vous faire un live dans lequel je fais juste des trucs à la con dans le jeu. L'idée c'est qu'il y a un événement, c'est quelque chose à regarder. Vous voyez, il y a une raison de faire un live. Donc si je fais un live, bah, ça pourrait plus être pour un château solaire en général. Ce sera d'ailleurs plus cet événement-là. Maintenant, on sait qu'il y a un nouvel event qui arrive en Ekevo et OSVS, l'événement du dragon, là. Si ça vaut le coup, il y a moyen éventuellement d'en faire un live aussi, tu vois. Mais voilà, mais après, faire des lives, comme je vous ai dit, c'est... Alors, honnêtement, contrairement à Supercard à l'époque, faire un live sur Supercard, c'était pas compliqué, parce que dans Supercard, là, maintenant, il y a quand même pas mal de choses à faire. Sur ce jeu, une fois que tu as fait tout ce que tu avais à faire
et que tu peux plus rien faire d'autre, c'est compliqué de faire des lives. Alors après, les lives, du coup, ça fait quoi? Ça fait que je discute avec vous, en fait, je papote. Et puis voilà. Mais les lives, j'essaierai d'en faire plus souvent, hein. Je vous le dis, j'essaierai. Allez, il reste 1 minute. Dans 1 minute. Dans 1 minute, je fais mon comeback. Hop là. Ah, on va pouvoir reprendre. On va aller directement. On va directement au château. À la fonderie impériale. Hein. Je prends même pas la peine d'aller voir ailleurs. J'ai pas envie de défoncer. Je préfère me faire défoncer là-bas directement. Hein. Enfin, sans mauvais jeu de mots, évidemment. Enfin, vous sortirez pas cette vidéo de son contexte, hein. Je compte sur vous. On y croit! On y croit, Robert! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... bientôt la bonne année, les gars! Et me revoilà. I'm back! Ah ouais. Ah ouais. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. En restant dans la zone protégée, ils peuvent pas m'attaquer. Ils ont pas le droit. Et du coup, je dois pouvoir intégrer le machin sans avoir à bouger de chez moi, en fait. Comme ça, je me fais pas mettre à zéro. Je crois qu'on fait tous pareil, en fait. Ah, ils sont pas cons! Ah, ils sont pas idiots, dis donc. Ils font tous pareil. Ils attaquent tous de la zone protégée. Voilà, hop, en garnison. Et voilà. Un fou, moi j'en vois partout. Alors les gars, pour sortir peigné, vous avez intérêt de vous accrocher. Hein. En termes de stats, elle est l'une des plus puissantes du serveur. Hein. Elle est dans le top 5, alors accrochez-vous à votre slip, moi je vous le dis, parce que pour sortir peigné, vous avez intérêt de vous accrocher. Qu'elle squatte tous les bâtiments. Elle squatte quasiment tous les bâtiments. Ah les gars, vous avez intérêt de vous accrocher parce que pour sortir Penny de son bâtiment, vous allez en chier, moi je vous le dis. Oh, puis elle a rechargé en plus. Elle en a remis entre temps. Personne qui reste parce qu'ils sont en nombre là. Attaquer reviendrait à rien en fait. On va envoyer un peu de renfort. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère quand même, ils attaquent fort. Hein. Regardez, il est là le petit. Il est là le petit qui m'attaquait. Il est là.
Mais il peut pas m'attaquer là où je suis. Hop là, recharger. M'en fous. Combien là? Ah, j'ai 38 000 troupes déjà, c'est vrai? On va les soigner. Trésor. Attends. Voilà. La pauvre Lily, elle prend cher. Elle prend cher, la pauvre Lily. Oh là 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 là. Mais je crois que tout le monde a la même idée, c'est d'attaquer à distance. Attendez. Oh putain, attends, on va plutôt là. Oh putain, tout ce qu'elle se prend, la pauvre, elle se fait attaquer de tous les côtés. Là, j'ai intégré au moins 6 bataillons là. Je vais lui envoyer un peu d'aide. Nique mes diamants, mais tant pis. Hein. Ils sont en activité, ils sont en effervescence là. Ils sont dans la merde surtout. Ils savent plus quoi faire. Hein.
Allez. Ils sont complètement paumés en fait. Ils sont paumés, ils savent plus mal donner de la tête. Ils sont perdus. Du coup, ils font tout n'importe quoi. Alors, ils brûlent les gens au hasard là. Et ils sont complètement paumés. J'ai plus de place. Moi, je peux plus envoyer là. Hein. Ouais, mais face à... Oh, 34 millions qu'elle s'est pris dans la tronche. Oh, ça fait mal. Ah ouais, quand même. À 300 000 blessés d'un coup. Ah ouais, là, quand même, tu l'as senti passer, celle-là. Oh, la vache. Ouh. Oh la vache, dis donc. Hein. Ça pique, hein. Ils font n'importe quoi, là. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont perdus. Comme ils sont perdus, ils font n'importe quoi. Regardez, hop. Et là, qui rentre au bercail. 114, lui, il a plus rien. À mon avis, lui, il a plus rien. Lui, il a plus rien non plus. Et lui, il a plus rien non plus. Mais oui, faut pas être con, toi. Si t'attaques depuis la case départ, ils peuvent pas te brûler. Donc ça veut dire que tu peux envoyer des renforts non-stop, en fait. Bon, là, soyons honnêtes, hein, c'est une méthode de lâche. Hein. Faut bien avouer que c'est une méthode de gros lâche. Hein. Dans 30 secondes, ce sera terminé. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. On a gagné. On a gagné. C'est pas si mal, hein. Le MVP, c'est Viking. Avec 3 millions. C'est pas mal, ça me va. Silent? C'est qui Silent? Silent, Silent, Silent. De qui tu parles? C'est qui Silent? Je sais pas que dit qui tu parles, là. Mais c'était très drôle, en tout cas. Ah, tiens, il y en a qui ont acheté le pack de soins. Il y en a qui ont dépensé le pack de soins, malgré tout. Bon, c'est pas mal, hein. Oh, ouais. Ah, c'est bien. C'est bien, bien. Pas mal, hein? Ok. Et là? Du coup, je termine combien, moi, dans toute cette affaire, là? 15e. Ah ouais, bon. Hein. Il y a pire, hein? Honnêtement, il y a pire, hein? Mais 15e, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, durée du combat, 43 minutes. Point d'occupation, ça va à Penny. Point d'accueil d'Arsenal, ça va à Sushi. Encore Penny. Ouais, c'est...
C'est pas si mal. Et ben voilà. Voilà comment on fait une avalanche de bonnes choses en très peu de temps. Bon, je vous cache pas que j'ai défoncé mes diamants, mais tant pis, c'est pas très grave. Le problème, c'est que t'as la roue de la chance qui débarque dans quelques jours. C'est pas forcément une idée géniale. Mais bon. Allez, on va quand même ouvrir ça avec vous, tiens. Bon, bah c'est pas ouf, un violet. Par contre, là, j'en ai 15, du coup, ça, c'est bien. Alors, c'est qu'un point rouge. Reina. Magnifique. D'autres points rouges. Non. Magnifique. Alors, pour ceux qui se posent la question, je mets ça là parce que j'ai nulle part d'autre où les mettre les points. Soyons honnêtes, hein, puis c'est de la puissance gratuite, donc je vais pas m'en priver. Faut dire ce qu'il y a. Alors, voilà. Et voilà. Bon, ben voilà, on va clôturer cette vidéo. On va s'arrêter là pour ce petit let's play. J'espère que ça vous a plu, qu'on a passé un bon moment. Mes amitiés à ce jeune homme qui s'est littéralement acharné sur moi et avec qui j'ai bien rigolé. Hein, franchement, c'était fun. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. C'était très, très, très intéressant et très amusant à faire. En tout cas, c'est très drôle. En attendant, je vous remercie. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, bien entendu. Ciao tout le monde.